Yo les gens, c'est Fernboxing. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les Vapor Max envoyée par un site qui sera en description. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé de refaire des vidéos Yoffer ou DHgate. Alors sur Yoffer, je continue très peu à commander, mais je commande encore, mais je fais pas de vidéo d'unboxing. Sur DHgate, exactement pareil. Mais si vous en voulez, bah, j'en referai. C'est juste que Yoffer, maintenant je le déconseille parce que j'ai. Yoffer, à part si vous payez par PayPal, ok, vous pouvez encore faire du Yoffer, mais maintenant c'est complètement. Yoffer, c'est. Il y a énormément d'arnaques si vous passez pas par PayPal. Donc maintenant, alors je remercie le site qui m'a envoyé cette paire de Vapor Max. Alors, c'est des Nike Air Vapor Max. Donc j'ai pris en taille 43 comme d'hab, les gens. Donc voilà. Alors la boîte, ouais, elle est propre, les gens. Voilà, et pas pété. Aussi, je remercie le site qui m'a envoyé en cadeau un petit t-shirt Fila. Si vous voulez un unboxing, dites-le-moi en commentaire ou si vous voulez, je vous mette des photos sur Snap, n'importe. Donc, on l'ouvre. Alors, en premier lieu, on voit, ils nous ont offert aussi des petites chaussettes. Les chaussettes, ils les offrent à tout le monde. Le t-shirt, je sais pas. Mais les chaussettes, vous inquiétez pas, il les offre à tout le monde. Alors c'est les Splay 350 comme ce qu'il y a sur les Yeezy. Puis, je vais essayer de vous montrer une paire. Je vais vous montrer une paire de Yeezy. Donc voilà, c'est Yeezy, les... je sais plus lesquels c'est. Les Blue Tint de Yeezy Kicks, elles sont toujours en très bon état. Vous voyez le Splay 350, ben, là aussi, il y a le Splay 350. Donc, les chaussettes noires, basiques, bon, taille, je sais pas, 40. Donc, voilà, il y a du un petit papier, il n'y a rien marqué dessus. Et puis, on va regarder tout de suite la chaussure. Alors, je l'ai ouvert vite fait pour voir ce que ça donnait. Et puis, je sais pas si il est 2017 ou 2018, dites-moi en commentaire. Donc, voilà, Air Max, je pense que vous connaissez les Vapor Max, vous en avez déjà vu sur ma chaîne, vous allez peut-être revoir des Vapor Max Plus, des Vapor Max peut-être les 2018. Donc voilà. Je vais vous montrer les détails. Voilà, alors moi la couleur c'est je sais plus quoi, platinum, je sais pas quoi, je sais pas. Donc là c'est bien réfléchissant. Bon là vous le voyez pas trop mais bon c'est réfléchissant. Le Nike n'est pas réfléchissant. Je crois qu'il n'y a rien d'autre de réfléchissant. Voilà. À l'avant, vous avez un petit truc de protection en plastique. Et puis voilà, là c'est parti. En fait, c'est du tissu et par-dessus, il y a un truc plastique qui recouvre le Nike, comme vous le voyez. Puis voilà, je vais à l'intérieur. Il y a ça, Vapor Max. Je vais essayer de vous montrer l'étiquette, s'il y en a une, je sais pas. Je vous enlève la semelle. Oui, il y a ça. Donc l'étiquette, voilà, comme d'hab, les gens. Bonne étiquette, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est la taille. Donc voilà, 9,5. Je vais remettre la semelle et on va continuer l'unboxing. Donc voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun défaut. Ouais, bon, là, il y a une petite pliure, mais bon, tu le mets à ton pied. Quoi, une semaine, je sais pas, 3 jours et c'est bon. Il n'y a plus de pliure. Donc on va tout de suite regarder l'autre paire. Alors l'autre paire, voilà, pareil, il est nickel, il n'y a rien à dire. Enfin, on va regarder ensemble, les gens. Ah oui, la bulle, elle est pas ultra... Ouais, le seul défaut que je lui dirais, c'est que la bulle est un peu molle. Après, à voir quand on marche avec, qu'est-ce que ça donne. Là, des petits défauts de colle, mais rien du tout. Ah, là, un truc, mais bon. Ah non, c'est de l'humidité, c'est bon, ça s'enlève. Donc, là, une petite truc, mais bon, ça se voit pas, moi, je suis pas assez prêt. Après, à combien elle coûte sur le site, j'en ai aucune idée, les gens. Je pense qu'elles sont pas trop chères, celles-ci. Donc voilà, ouais, je vais vous faire des vidéos DHgate. Là, j'ai plein d'articles de Yoffer DHgate. Je peux vous les faire. Là, j'ai quoi devant moi? J'ai un coupe vent Stussy qui est pas mal. Et puis voilà. Donc, si vous voulez d'autres vidéos sur ces chaussures à de couleur, ou dites-moi quelles chaussures vous voulez aussi sur quel site. Sauf Yoffer, je vais arrêter. Peut-être je vais faire une petite ceinture off-white. Je vais voir. Et puis voilà. Bon, allez, je vous le dis. Ciao les gens. Commentez et likez.